Et bonjour les amis, alors ben écoutez, on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus, Pick 5, mes deux courses favorites, mes trois bases, ma dernière minute, ainsi que la réunion 1 de ce samedi 30 avril 2022. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo pour ce vendredi, donc il faudra aller sur ma chaîne secondaire pour avoir les autres réunions. Donc la réunion 1, 3 et 5. Donc vous aurez la réunion 1 sur la chaîne principale, mais sur la chaîne secondaire il y aura la réunion 1, 3 et 5. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de toute façon dans la section communauté de YouTube. Et on est parti les amis pour le promo. Alors n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner et à commenter. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche pour recevoir mes notifications et vidéos, c'est très important. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, alors la chaîne secondaire, donc je fais un petit test en ce moment en mettant que les réunions. Donc j'espère que ça plaît. Et voilà, c'est un petit test parce que ça me faisait. Ça me mettait. Comme quoi il y avait un droit d'auteur, mais en fait c'est ma chaîne secondaire. Donc je préfère mettre que les réunions sur l'autre chaîne. Et sur la chaîne principale, je mets qu'une réunion. Donc la chaîne secondaire, c'est les jeux SEM du PMU. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le lien en description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir Twitch également. Vous avez le lien sous la vidéo en description. Voilà, donc si vous voulez les lives quand ils y sont, donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitch. Puisque là, vous voyez, par exemple, je suis en même temps sur Twitch. Donc sur Twitch, ils ont la vidéo en avant-première. Puisqu'ils l'ont ce jeudi soir pour samedi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitch. Allez les amis, sur ce, assez parlé, allons-y pour le pronostic. Donc, ce sera la réunion 1, course 1. Donc, à 15h15, c'est la grande course de haies de printemps. C'est le prix le parisien. Donc, c'est de la haie sur 4 300 mètres. Alors, méfiance, parce qu'il y aura 20 partants pour cette course-là, 155 000 euros d'enjeu. C'est une course handicap, c'est une piste en herbe. Mon niveau de confiance, il est de 2 sur 5 pour cette course-là. Mais vraiment, les amis, méfiance, avec 20 partants, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous mets la liste là, mettez pause quand vous le souhaitez pour le voir. Et on y va pour le pronostic Quinté Plus. Donc, mon favori, ce sera le 3. King of Run qui sera monté par Da Silva. Ma base, ce sera le 1 Super Alex monté par Lestrade. Mes outsiders seront le 19 Golden Witch monté par Farcinade, le 2 Blasimon monté par Mazur et le 20 Henri le Farceur monté par Goffenic. Mon regret, ce sera le 18, Grand-Oncle, monté par Jouin. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, les amis, mon 2 sur 4 sera le 3 et le 1. Mon 2 sur 4 combiné sera le 3, 1, 5. Mon couplet, ce sera le 3 et le 1. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 3, 1, 5. Mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 3, 1, 5, 19. Pour ce qui est de mon multi en 7, en champ total, ce sera le 3, 1, 5. 19, 11 et 2. Mon multi en 7 normal sera le 3, 1, 5, 19, 11, 2 et 7. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 3, 1, 5, 19 et 11. Et pour ce qui est de ma sélection de mon jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 3, 1, 5, 19, 11, 2, 7 et 20.
Et mon cheval de complément sera le numéro 18, qui est mon regret. Donc voilà les amis pour le pronostic quinté plus. Donc on va passer tout de suite à mes trois bases. Mais tout d'abord, je vous invite à mettre un max de pouces bleus, à partager et à vous abonner et à commenter. Sur ce, on y va. On va à mes trois bases, les amis. Donc mes trois bases du quinté. On commence avec mon favori, donc qui sera le numéro 3. Donc King of Run. Donc, qui sera monté par Da Silva. C'est un nombre de 7 ans, 42 courses courues, 6 victoires, 11 fois deuxième et troisième, 25 autres, 40% dans les trois premiers. Donc, Fouin est l'entraîneur. Alors, espérons qu'il soit à l'arrivée. Voilà, comme je vous dis, avec 20 partants, ça risque d'être très, très, très difficile. Donc, entre ceux qui vont tomber et tout, donc ça va être un peu compliqué. Espérons qu'il n'y en ait pas qui tombe parce que pauvre cheval, pauvre jockey. Voilà, on s'inquiète un peu à chaque fois, mais voilà. Pour ma base, donc ce sera le 1 Super Alex qu'on ne présente plus, qui sera sûrement l'un des favoris de la course. Donc c'est un nombre de 7 ans, c'est l'Estrade aux manettes, Dubois l'entraîneur, 10 courses courues, une victoire, 6 fois deuxième et troisième, et 3 autres, donc 70% dans les trois premiers. Donc ne l'oubliez surtout pas ce cheval-là. Vous feriez défaut à votre prono. Montocar, le numéro 19, Golden Witch. Donc femelle de 5 ans. Farcinade aux manettes. Delaroche, l'entraîneur. 10 courses courues, une victoire. 3 fois deuxième et troisième, 6 autres. 40% dans les trois premiers. Alors cheval qui peut rester très intéressant. Donc. Qui sera surtout un beau rapport, donc s'il rentre dans les 5, voire dans les 3, ce serait pas trop mal. Voilà, après, à voir ce qu'il fera sur le terrain, mais pour moi, ça reste un cheval pas trop mal. Donc les amis, on va passer à ma dernière minute. C'est parti, donc ma dernière minute du quinté de ce samedi sera le 13 Hadès. Donc c'est un nombre de 5 ans, c'est Nabet aux manettes. Bertrand de Belanda, l'entraîneur, 13 courses courues, une victoire, 6 fois deuxième et troisième, 6 autres, 54% dans les trois premiers. Petit risque de l'avoir enlevé de mon prono. Je mettrai une petite pièce dessus. Voilà, histoire de me couvrir. Hein. Je ne mettrai pas plus. Après, bon, moi je ne le vois pas dans les 5 ni dans les 3. Donc après, je peux me tromper. Regardez ce jeudi, hein, ce qui est rentré hein, hier. Hein, Ça a été mon favori hein, en tête. Bon, ma dernière minute, pardon, en tête. Donc, on ne peut rien y faire. Souvent, ça se passe comme ça. Malheureusement. Donc, ben, les amis, voilà pour ma dernière minute. Mes trois bases et mon pronostic quinté plus. Donc, je vous invite à mettre un max de pouces bleus, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Et nous, on se revoit pour le Pick 5 et mes deux courses favorites. Bye. Et la Réunion 1, bien sûr.